Alors, recoucou les amis. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos aujourd'hui. Donc, nous sommes le vendredi, c'est ça? Ça doit être certainement ça. Donc, le 12, nous sommes le 12 mars. Alors, comme vous le savez, ce matin, j'ai reçu le DP de e-broderie Diamant. E-broderie Diamond, donc du Diamond Painting. Donc je vais vous faire cette première vidéo. Enfin, je vous avais fait le haul partenariat. Là, ça concerne toujours le partenariat parce que nous allons le faire ensemble. Là, dans cette première vidéo, nous allons utiliser, nous allons utiliser, tester les trois ustensiles que j'ai ici. Voilà, nous allons les tester. Et après, dans les prochaines vidéos, je prendrai ou l'un ou l'autre au niveau des stylos. Voilà, pour le DP. Donc, ça, je vais le mettre comme ceci parce que c'est ce qui va m'aider au niveau des couleurs. Et le DP, je vais le mettre face à moi et je vais vous montrer au fur et à mesure de l'avancée. Donc je pense faire ça sur plusieurs vidéos. Mais par contre, là, vu comme j'étais en arrêt maladie jusqu'à aujourd'hui, je reprends le lundi, le travail lundi. Donc je pense que je vais faire les vidéos, faire les tourner les vidéos les week-ends et sur les jours où je serai de repos en dehors des week-ends. Parce que clairement, le matin, je n'aurai pas le temps. L'après-midi, je serai au travail. Et le soir, je vais être fatiguée. Donc, j'aurai pas trop le temps ni l'envie de filmer le soir. Donc, je pense que je ferai, selon mon humeur, les vidéos le week-end. Donc, c'est parti. Donc, je le mets face à moi. Je vais avoir besoin donc de mon papier. Je vais avoir besoin de ça. Je vais regarder en fonction des couleurs ici. Je peux également aussi m'aider de ce que j'ai là sur le côté. Donc, je vais déjà soulever dans un premier temps la partie du bas. Voilà. Je vais déjà faire cette partie-ci. Donc, le carré avec plusieurs carrés, donc c'est le 30. Donc pour faire cette partie-là, ici. Donc, je vais prendre ça également. Donc le 30, il est où? Le 29, est-ce que j'ai le 29? Là. Bon, je vais d'abord faire le 30, après on verra le reste. Le 5, le 17, le 1, le 10, le 28, le 23, le 15, le 21, le 30. Voilà, donc le 30. C'est un peu dur de vous le montrer avec le flash, mais c'est bien le 30 que j'ai dans les mains. Donc le 30 sur le papier, c'est 38,64. Ok. Donc du coup, donc j'ai mis là-dedans les carrés. Alors je vais essayer, je vais tester celui-ci d'abord. Je prends ma petite gomme. Normalement j'en ai d'entamé, mais bon, je vais pas voilà, me casser la tête à prendre le reste. Voilà, à prendre celui qui est entamé. Donc, j'ai pris mon petit truc.
Donc, du coup, j'ai mon petit carré et commence par là. Ensuite, donc, voilà. Donc, je vais faire un peu avec vous. Je vais déjà faire cette partie-là, déjà, dans un premier temps. Donc, je suis désolée d'avance si je ne parle pas beaucoup, j'essaie juste de me concentrer pour les mettre bien à leur place. En même temps, je regarde au niveau de la caméra. Alors, du coup, je vais déjà faire tous les petits carrés, voilà, où il y a les quatre carrés à l'intérieur de cette partie qui est découverte. Voilà. Alors j'espère que ça vous plaira cette vidéo car c'est la première fois que je fais du DP en vidéo comme ça. Enfin c'est voilà où on le fait ensemble. Donc après je suis pas trop à l'aise, je suis plus à l'aise avec les ATC, les tutos ATC, la carterie, tout ça. Voilà, donc bon après hein, c'est une expérience à vivre, c'est sympa à faire. Donc pourquoi pas. Comme on dit, il faut un début à tout. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer. Je suis désolée, vous voyez rien. On va passer à ça. On va essayer. Alors là, sur celui-ci, on va essayer les deux embouts. Alors, je sais pas, parce que là, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de la gomme. Donc là, pour cet embout blanc, il n'y a pas besoin de la gomme là. Donc, on prend directement notre strass et on le met sur la case correspondante.
J'ai pas trop l'habitude avec ça. Ça sera plus simple. Voilà. Donc je vais essayer cet embout-ci maintenant. Bon, celui-là, il est bien, mais j'ai un peu du mal. Donc pour moi, c'est pas pratique. Donc je vais essayer celui-ci, ce côté-ci. Peut-être que ce sera plus pratique pour moi. On va voir. Là, je suis désolée s'il y a du blanc, mais c'est que je suis concentrée et j'essaie de bien faire les choses aussi. Voilà. Voilà, je mets sur pause, je reviens, je continue un peu hors caméra et je reviens. Alors, je continue un petit peu avec vous et après, je fais hors caméra et après, je rallumerai la caméra pour vous montrer un petit peu l'avancée du DP. Voilà. Donc là, avec le travail, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir faire, le faire avec vous en vidéo. Au pire des cas, j'essaierai de le faire hors caméra et vous montrer un petit peu l'avancée. Tout en parlant un peu avec vous, on le continuera un petit peu ensemble. Je pense que je vais faire comme ça. Parce que ça va être long sinon. Ça va être hyper long. Mais vu comme je vous expliquais en début de vidéo, il n'y aura que les week-ends que je pourrai faire des vidéos et encore. Donc, ça va être chaud patate. Donc voilà, là j'avance un petit peu avec vous. Et après, j'arrêterai là pour ce soir et j'essaierai de reprendre demain. Sur une autre vidéo différente, comme ça, ça sera sur plusieurs temps. Alors cette première vidéo sera pour postée pour mercredi parce que mardi je vais faire une autre vidéo sur la création de bijoux pour tout ce qui est matériel, la partie 2 de matériel pour faire des bijoux fantaisie. Donc voilà. Donc j'essaye de varier un peu les plaisirs au niveau des vidéos. Pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Et pour tous les goûts. Voilà.
Allez, je continue hors caméra et je vous reprends après. À de suite. Allez, je continue encore un peu avec vous et j'arrête là pour ce soir, pour le DP. Donc, c'est parti. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, je suis pas encore à l'aise avec ce genre de vidéo. Mais ça le fera. On y croit. Il n'y a pas de raison. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous faites du DP, du Diamond Painting. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Ensuite, donc je pense que je vais arrêter là pour ce soir. Alors, je vais récupérer ceux qui sont venus ici. Alors, ça colle, bien évidemment. Donc, on se retrouve très bientôt pour l'avancée du DP. Voilà, je vous fais tout plein de bisous. Bye bye.